J'ai choisi Écoute encore parce que je voulais donner du sens à ma vie. En fait, je cherche un travail où je peux m'épanouir plus. Et en me renseignant, j'ai tombé sur plusieurs formations, mais Écoute encore, ça me parlait parce que c'est une approche holistique et très humaine. Les outils de Écoute encore, ils m'aident avec des problèmes de tous les jours. Avec moi-même, avec les autres, et il m'aide à découvrir par exemple mes peurs, en fait les peurs qui se cachent derrière toute émotion. Donc, grâce à la méthode Écoute encore, j'arrive aussi à analyser des mots par exemple, c'est-à-dire si j'ai mal à la tête ou un bouton de fièvre, etc. Grâce à des livres de Lise Bourbeau, j'arrive à me auto-guérir quasiment toute seule. Ce que j'aime dans les ateliers d'écoute encore, c'est que tout le monde a une énorme ouverture, il y a beaucoup de bienveillance et on partage tout. C'est vraiment comme une grande famille, on se sent accueilli, accepté et on s'entraide en fait sur notre cheminement. Ce que j'ai appris grâce à Écoute encore, c'est d'être beaucoup plus consciente et de découvrir, voilà, par exemple, les peurs qui me font réagir, pourquoi je me mets en colère. Et grâce à ça, j'arrive à moins réagir et à m'entendre mieux avec mes proches et vraiment ressentir ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi. C'est ça surtout. Écoute encore m'aide à ressentir les choses et du coup me centrer au lieu de réagir. Et trouver des bonnes réponses à l'intérieur au lieu de le chercher à l'extérieur.